Je prépare mon guacamole. Pour ça, dans un robot mixeur, je mets mon oignon, mon ail, l'avocat, le jus de citron. J'ajoute le cumin, le sel, le poivre ou le tabasco et je mixe. Si j'ai de la coriandre, je peux aussi en hacher et l'ajouter. Voilà, je place au frais. Le temps de continuer ma recette, je prends un pomelo et je l'épluche à vif. Pour ça, je retire la peau. Ensuite, les suprêmes. Je détaille ces suprêmes en petits cubes. Alors voilà, mon paquet de wrap se présente sous cette forme. Ici, j'ai 6 tortillas. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Au dos, j'ai toutes les mentions légales, évidemment, la composition, le mode de préparation et toujours pareil en anglais. Alors, le petit truc pratique, c'est ça. C'est déjà une bonne chose. C'est ce scotch là. Voilà, une fois ouvert, je pourrais ainsi facilement le refermer. Donc je prends une première galette. Voilà, et donc je disais, l'avantage, c'est de pouvoir refermer de manière hermétique grâce au scotch. Voilà. Alors, sur une galette, je dépose 2 cuillères à soupe environ de mon guacamole, puis je l'étale. Mes bâtonnets de surimi. Et par-dessus, mes suprêmes de pamplemousse. Je replie. Je roule le tout dans un film étirable et puis je réserve au frais jusqu'au moment de servir. Alors, le lendemain, je récupère mes wraps et je retire le papier sulfurisé. Je découpe en biais ou droit. Et voilà. Prêt à être dégusté. Bon appétit!